enregistre normalement. Ouais, ça enregistre. Okay. Donc, quand je disais, on va juste les petites nouvelles, janvier-février, bon là j'avais un shitload de news disponibles. J'ai essayé de trier un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait, des trucs intéressants qui ont peut-être passé inaperçus. Donc, tout dépendant comment vous suivez les news. Là, à chaque fois sur le net, là, on dit ah, tu peux faire de la sécurité, tu peux faire de la sécurité. J'ai toujours un problème de data là, pour faire ça. Mais par contre, j'ai trouvé intéressant le Mozilla Defense Platform. C'est un truc donc fait par Mozilla qui en fait te permet de détecter en temps réel les incidents qui peuvent survenir sur ton infrastructure. Donc c'est assez intéressant. Surtout que tu es quand même backé par Mozilla, donc on s'attend à avoir une évolution du produit. Je vais enlever le full screen. Bien sûr, c'est libre, sinon j'en parlerai pas. C'est encore un peu jeune, ils sont en train d'évoluer le truc, mais quand je lisais la doc, ils l'ont mis à quelques universités et ça, ils ont pu permettre de traiter adéquatement des alertes. Bien sûr, leur but là, c'est de, donc oui, ça va soulever les incidents, ça, il y en a plein d'applications, mais c'est pour essayer de un petit peu faciliter la collaboration. Parce que c'est bien beau si tu as des alertes qui n'arrêtent pas de chouer, mais si, tu sais, parfois ça peut être juste une alerte normale, quelqu'un est en train de faire un test. Donc ça, ça te permet d'avoir une meilleure gestion. La documentation, évidemment, elle est bien, elle est complète. Tu as même une installation avec des containers, donc on s'éloigne pas trop de la gestion, de ce qu'on a vu. Donc l'overview, la doc, elle est vraiment pas mal. Avec les points, qu'est-ce qu'ils veulent adresser. Donc, bon, bien sûr, je vous laisserai regarder l'ensemble. Si on regarde rapidement les screenshots, parce que on aime ça quand c'est sexy. Bon, différentes alertes qu'ils peuvent avoir. Le back-end, je pense, c'est un Elasticsearch, mais il faudrait juste vérifier. La gestion donc, des différentes alertes qui ont été arrivées avec la fréquence. La gestion des incidents, donc en plus de montrer, ben, au moins là, tu as vraiment le dashboard. Bon, ça, il faudrait voir dans une réelle utilisation. Tu sais, là, ça, c'est joli, mais tu sais, on s'en crisse. Hein? Ben, c'est les attaques par géolocalisation avec une planète en 3D. Là, mais, tu sais, je veux dire, une map flat. Ouais, mais elle rit pas. Hein? Si tu fais ça dans un film, ça a l'air cool. Là. Hein? Avec, ça prend pas de souris. Exact. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, Si tu arrives à le vendre grâce à ça à ton gestionnaire, ben, that's cool, man. Tu sais, parfois, c'est suffisant. Ça. Ah, ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Ça, c'est vraiment dans la partie, je vais être cool, là. Des gnomes. Ouais, des orques. Ogres. Et puis, ils ont même un environnement de démo si vous voulez les utiliser. Là. Fait que, c'est pas mal cool. Voilà, je fais une petite parenthèse. Oisu. Voilà, ça aussi, c'est une qui est moins peut-être volumineux, mais qui utilise un système de OSSSEC, donc qui gère un système de règles, tu mets les agents sur les serveurs, et après, tu peux avoir une visualisation des différentes alertes. C'est peut-être un petit peu moins sexe, mais tu peux voir justement les thresholds du nombre d'alertes qui survient. Ouais, non, c'est ça. C'est la visualisation. Ah oui, tiens, je peux mettre ça en plus grand. Ouais, toi, la visualisation des différentes alertes qu'il y a. Ouais, c'est ça, c'est plus humain là. Mais ça je vous ferai une petite présentation éventuellement de ça. Parce que personnellement, moi je l'utilise. Qui peut être une solution, mais par contre, la problématique, c'est que ça, tu vois la visualisation des alertes, mais l'aspect du Mozilla où il vient combler, c'est OK, ben, l'alerte, elle est gérée, donc dans les équipes, tu peux les avoir. Tu sais, ça fait un peu système de gestion de tickets en considération des alertes qui sont arrivées. Le use case était intéressant du Mozilla là, quand je l'avais lu. Si on reste toujours dans la question de sécurité, ça c'est vraiment cool, ça a fait comme entre guillemets la manchette sur le net là. Un takeover. En fait, ça te permet de prendre le contrôle du Linux à distance, de monter par-dessus ton root, fait que tu caches l'OS qui a été en place, puis tu mets ton système d'exploitation à la place. On s'entend, c'est super risqué, là.
Mais tu sais, ça vraiment, ça te permet, grâce à une connexion SSH, de prendre le contrôle de la machine. Puis, that's it. La machine aléatoire, puis tu fais ce que tu veux dessus, là. Donc, toi, il fait un mount bind pour remonter par-dessus le slash, le système d'exploitation du takeover. Puis, bien sûr, il faut être root là-dessus. Là, tu sais, faut déjà que tu es. Mais au moins, tu peux réussir à, après à faire l'utilisation. Donc, takeover, là. Message. Sur GitHub, c'est libre encore, merci, qui va te permettre de faire tout ce qui veut, tout ce que tu as envie de réaliser. Donc, bien sûr, un système via SSH, sans rebooter. Puis, you know you want to. That's cool. Donc, la section, je vais le mettre dans le commentaire, j'imagine, la vidéo, là, si ça rentre, là, ou dans le commentaire après, dans le texte, donc, je sais pas, on verra, un problème à la fois. Docker, donc, les mythes, si vous essayez de le faire passer aux développeurs, puis qu'ils sont réticents, c'est quelques petits workarounds, tu sais, comme parfois, je dis, ah, Docker, c'est vraiment cool avec les images, blablabla, puis là, tu sais, le gars, il dit, attends, hop. C'est, ouais, mais je peux pas éditer le Dockerfile. Tu sais, moi je suis un développeur, donc bon, là il donne à chaque fois des solutions comment faire pour pouvoir travailler avec. Je peux pas rien faire à l'intérieur du container. Moi j'ai besoin de pouvoir faire SSH dessus comme une machine virtuelle. Ben ok, ben fais bin bash. Donc tu sais, c'est quelques petits trucs comme ça où tu sais, un workaround entre guillemets. Est-ce que ça utilise bien le concept de Docker? Saint Christ, man. Je veux dire, l'informatique, c'est pour nous. Là. On n'est pas au service de l'informatique. Là. C'est l'inverse. Là. Fait que, après, c'est quand tu le mets en production qu'il faut que tu mettes en place des règles puis un workflow approprié. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses travailler aussi. Puis, donc, là, ah, mon favorite editor. Donc, là, il donne tout de suite des petits workarounds. Donc, comme là, pour pouvoir avoir ton VI et l'éditeur que tu veux, ben, tu vas monter. Tu vas faire un volume pour dev mon application dans var mon application. En fait, là, tu peux avoir tous les outils que tu as l'habitude d'avoir sur ton poste. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Je vous laisserai regarder le reste, là, mais au moins, ça vous permet d'avoir des workarounds pour pousser votre Docker là, si vous avez envie. Ah ouais, ça, c'est quelques petites commandes aussi. Ça, c'est des trucs que je ne couvre pas nécessairement dans la formation. Ça, c'est plus par contre Docker 1.13, parce que Prune est arrivé uniquement dans 1.13, là, donc dans la dernière version des Docker. Mais différentes commandes pour faire un petit peu de ménage, dangling volume. Donc, tu sais, parfois, il y a des commandes qui sont un petit peu plus tricky, mais tu sais, ça te permet justement de faire du ménage ou des trucs qu'on n'a pas pensé à réaliser. Là. Inspecter une ressource, on donne différentes commandes pour pouvoir le faire. Là. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant, pour ça que je le remonte ici. Comme je dis, je ne vais pas passer à travers de chaque pour lire, là, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, puis après vous irez voir, cliquez sur le lien, puis lire l'article approprié. Ça vous va? Mm-hmm. Comme ça. Actuellement, aujourd'hui, tout ce qu'on a fait à l'intérieur du Docker, c'était présenté avec un Docker host, mais on n'avait jamais eu plusieurs Docker hosts. Puis le cluster pour l'interconnexion, etc. Ici, il y a un petit guide parce qu'il y a plusieurs solutions qui offrent de la gestion multi-host de Docker. Tu as le Docker Swarm qui est fourni par la compagnie Docker. Kubernetes qui a été créé par Google et il y a plusieurs personnes, plusieurs organisations qui participent au projet. Et Mesosphere qui est aussi une autre solution, un peu moins connue. Donc en fait aujourd'hui les gros joueurs, je dirais ça c'est vraiment les deux, le Swarm et Kubernetes. Et en fait l'idée de l'article c'est qu'il vous présente les trois. C'est très haut niveau, hein. Il ne va pas vraiment dans le détail, mais ça te permet au moins de voir, si tu veux en choisir un, tu as envie de le mettre en place, ben, lequel j'y vais, choisis-tu Swarm, choisis-tu Kubernetes, choisis-tu Mesosphere, c'est quoi les points forts, les points faibles, donc au moins c'est un regard objectif parce que c'est pas écrit par aucun des trois. Tu sais, ça arrive. Parce que la dernière fois, je cherchais justement entre Swarm et Kubernetes, et les principaux articles que je trouvais, c'était écrit par la compagnie Docker. Donc, tu crois bien qu'ils poussaient bien plus leur Swarm. Ben, c'est une bonne guerre, là. Au moins, quand c'est clair que c'est sur leur site et qu'ils n'ont pas essayé de le passer à côté sur un Linux Journal ou autre. Là. Au moins, bon.
Donc ça, ça permet d'avoir un regard indépendant. Donc Open Face, donc là plus pour les développeurs si je puis dire. Actuellement c'est bien à la mode l'intelligence artificielle, puis la détection et tout ça. Si vous voulez vous prendre un petit peu pour la NSA, c'est une librairie qui te permet en fait avec un réseau, un neural network, de faire de la détection d'images sur une photo pour faire la détection des visages comme on peut voir là. Je ne l'ai pas essayé, hein, je trouvais ça juste cool. C'est un ordre où je cherche de chier. Non. C'est l'autre. Ça arrive. Fait que, mais tu sais, je trouvais ça intéressant. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais tu sais, c'est le genre de truc. Tu sais, comme un peu le iNotify, iCron, là, que j'ai utilisé, où tu sais, je vois la nouvelle en 2014, puis finalement, je l'utilise juste 2 ans plus tard. Ben, tu sais, c'est le genre de truc que je garde en tête au cas où que peut-être un jour ça me tenterait. Là. Mais effectivement, là, la détection avec la sonnette. Mais je sais pas, vu la vidéo de Facebook, le propriétaire, qu'il faisait semblant qu'il était comme Iron Man. Là. Non. Je sais pas si vous l'avez vu. Là. Non. Okay. Ça vaut pas la peine d'être vu. Mais en tout cas, il s'amuse comme ça. Là. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs Facebook, ils ont changé leurs conditions d'utilisation. T'as plus le droit de faire de la. Comment c'était ça là? Comment ils disaient ça là? La surveillance avec les données de Facebook. Vlan dans les dents de la CIA. C'est ça qu'ils vont plus le faire. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça, c'était dans les premiers trucs que j'ai mis. Bon, là, je le fais pas encore, mais bon, tu sais, à un moment donné, ça viendra. Si vous voulez faire du développement Android, donc tu cherches en fait des points de référence. Et tu veux lire du code de personnes qui l'ont fait. Tu sais, je sais pas, moi. L'IFP qui fait quoi, là? T'es, ben, photo de galerie. T'as envie de t'en faire un toi-même. Mais tu sais, c'est toujours le problème de la page blanche, là. Tu sais, je commence quoi? Tu sais, c'est quoi le projet? Tu sais, comment je fais pour gérer l'image, etc. Donc ici, il y a 20 projets qui ont été faits sur Android, qui sont en libre. Et ce qui est cool, c'est que tu as le niveau de difficulté aussi qui est spécifié. Donc, si tu as envie de commencer à te mettre au code, ben, tu peux lire le code, regarder comment ça fonctionne, un calendrier simple. Donc, tu sais, c'est toutes des petites applications. Tu en as des plus grosses. Hein. Tu as expert aussi à un moment donné là, pour pouvoir faire toi-même ta gestion. Bon, intermédiaire, tu sais, movie guide. Donc, mais au moins, tu as du code source disponible directement sur GitHub, puis après, pouvoir commencer à faire ton propre code en conséquence. C'est un petit peu comme une liste de recettes. Là. Tu commences avec ça, tu regardes les recettes, comment les gens ils le font, puis après, tu rajoutes un peu plus de sel. Non, c'est pas ça. En tout cas, vous comprenez l'idée. Pour ceux qui ont un Raspberry... Ah, putain. Voilà, prise 2. Je vais y arriver. Yeah, du premier coup. Pour ceux qui ont un Raspberry Pi, là, c'est 15$. Là. Bah, vous pouvez vous amuser avec encore des projets qui sont là. Bah, là, je ne les ai pas faits non plus. Là. Mais ça, c'était cool, là, avec le miroir. Ouais, avec cette musique et tout. Là. Mais attends. Attends. Third Party Module. Face. Ok, là, je suis. Là. Je l'avais vu, celui-là, en plus. Ok, bon, c'est cool. Mais, non, mais ce que je cherchais, c'était l'image du miroir, en fait, avec le Raspberry Pi pour que ça marche, pour que ça soit beau. Moi, je le ferais. Tu vois, ils mettent un miroir, puis ils mettent un Raspberry Pi en ailleurs. Donc, ça, ça peut être un projet intéressant, là, tu sais, pour un week-end comme ça, pour le fun. Tu sais, un Media Center avec Kodi Linux, là, ou un Weather Station avec quelques... Il faut que tu mettes les... avec les connecteurs là, avec le GPIO ouais. Là. GPIO, c'est ça, tu vois. C'est ça là. Puis ça se code super bien en Python là. Bon, Fedora, tu veux pas là, mais bon. excusez. Retro Gaming Machine là. C'est tout des petits trucs le fun là. Motion Sensor, Raspberry Pi. Donc, c'est tout achetable sur Amazon pour un CE. Oh ouais, c'est vraiment, tu sais, le Raspberry Pi est vraiment pas cher là, putain. Ah, c'est vraiment, c'est cher, c'est pas 15$. Ah, c'est une trentaine. Non, je pense plus que ça vaudrait 50 avec la conversion du US. Wow, mais c'est 50$ en tout cas. C'est 50.
Ouais, c'est cher. Mais t'as plusieurs. T'as plus... les hacks sont riches. Mais non, mais tu sais, t'as plusieurs niveaux là. Si tu peux prendre, si t'es pas obligé de prendre le Raspberry Pi 3, là, tu peux prendre le B. B, puis il n'y a pas de problème avec le 2B. Il y a beaucoup de monde qui parle de la carte SD à Corrompt. Ah. Ça finit par Corrompt ton OS. Le 1, okay. Moi, il roule, je pense, le dernier temps que je l'ai checké, c'était un an et que, qui roule dans ma chambre de fournaise, dans le sous-sol, pendu, là, il parle vraiment. Okay. Un an, Raspberry Pi, tu le mets jamais à jour, quoi. Non, moi, je l'ai mis à jour, mais je l'ai pas starré. Ok. Ici, ce que j'ai trouvé, ben ouais, moi je cherchais un truc pour la gestion de Time Tracker là, avec Jira puis GitHub. Fait que, c'est pour ça qu'il est listé là parce que je voulais l'avoir. Là. Ce que je trouvais cool, c'est que tu avais une application native. Attends, on regarderait là. T'as le 1 hein? Dans le nom de Super. T'as t'es un web-based puis un client natif. Ça, moi je trouve ça cool d'avoir un client natif pour du time tracking là, parce que quand tu le mets sur. Quand tu logs ton écran parce que tu vas chercher ton café ou autre là. Puis t'as toutes les OS là. Je l'ai pas encore essayé, c'est dans tu veux dire les screenshots là? Tu veux savoir si c'est sexy? Il y a des anges qui t'as le code source, fait que tu pourras rajouter des anges là, mais c'est ça à peu près là. Donc faut que je l'essaye, moi. C'est dans ma to-do list. Là. Bon. C'est OS? Oh, ouais, c'est même les OS impurs. T'as une to-do list, pas ta to-do list. C'est ça. C'est ça. Ah, récursif. Voilà, j'ai juste montré. En fait, pourquoi j'ai mis ça? Ils ont sorti la liste des priorités pour la FSF. Là. Mais ce que je trouvais surtout intéressant, c'est que ça, faut qu'on règle le problème. Quoi. Ça peut plus durer, là, parce qu'on peut pas. Bon, ok, on va dire Android, c'est libre, hein, mais c'est pas libre. Hein, quand tu vois toute la shit qu'il y a là-dessus. Là. Les trous, il y en aura toujours, là, même si c'est libre. Là, mais, on va être sourd, on en a plein de jours. Ouais, mais t'en as quelques-uns qui sont disponibles, mais à chaque fois, c'est le même problème qu'on avait pour le hardware au début. On va acheter la division Microsoft de téléphone, ouais. On va avoir un pas cher dans le ballon. Alors ça c'était un article justement pour ma c'est assez à la mode sur l'intelligence artificielle et c'était la première fois que je trouvais en fait du code source disponible gratuit pour faire du traitement d'intelligence artificielle et avec différents modules et des exemples d'utilisation. Je sais plus où, quand j'ai essayé de retourner, j'avais pas retrouvé les exemples d'utilisation, mais tu avais des preuves de concept qu'on pouvait avoir. Ah, installer, build, c'était dans le wiki, je pense que j'avais trouvé. Où il donnait des petits exemples de le cas de la gestion du trafic ou des choses comme ça. Installing, build, learning, creating application. Tu sais, des guides d'utilisation. Je sais plus. Getting data. En tout cas, je trouvais ça intéressant, toi, la gestion justement du trafic à New York. Donc, comment faire le traitement de l'intelligence artificielle avec ça, tu sais, d'avoir. Un minimum, et vu que c'est, l'ensemble est libre. Donc, je trouvais ça intéressant encore là. Tu sais, c'est toutes des nouvelles que j'ai vues, que je spot sur mon radar, mais j'ai pas le bandwidth pour pouvoir essayer ça. En tout cas, certainement pas ça. Essayer le time tracking, oui, là, mais pas. Mais c'est que finalement, t'as pas le temps de faire autre chose. Ouais, c'est ça. ok. Ça, la ville de Munich. Ok. Ouais. Ça, on va juste clarifier quelque chose. La ville de Munich, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2003, ils ont décidé de switcher à Linux l'ensemble de leurs postes de travail. En fait, dans la réalité, sur les 20 000 postes qu'il y a, tu en as 15 000 qui sont sous Linux, puis tu en as 5 000 qui sont restés sous Windows pour des questions d'applicatifs qui ne roulaient pas sous Linux. C'est correct. Alors, j'y attendais aussi. Là, il y a le nouveau maire qui est arrivé. Là, il a dit on va arracher ça, on va retourner sous Windows. That's pretty much la volonté en arrière. Et il a commandé une. Putain, le lien il marche pas. Oh, merci. Il a commandé une étude à une société indépendante, 300 pages en allemand. Là, c'est, je me suis pas tapé, on s'entend. Mon allemand est trop rouillé là, peut-être pour pouvoir je m'amuse là-dessus.
Et donc, en fait, l'idée, ça serait, ils ont passé au conseil de la possibilité de switcher de système pour des formats, comment ils disent ça, standards du marché, trucs comme ça. Là. Ils disent pas Windows, Linux, là, c'est jamais vraiment nommé. Là. Et en fait, l'objectif, c'est qu'ils ont, il y a 67%, là, si je me trompe pas, là, j'y vais de mémoire, là, qui considéraient que le système informatique ne fonctionnait pas, okay? Que ça n'allait pas bien. Et d'ailleurs, je sais pas, tu vas dans n'importe quelle compagnie, là, si tu demandes si l'équipe TI va bien, là, je serais étonné que les gens disent que « Ah oui, c'est fabuleux, ils répondent super rapidement et je suis vraiment satisfait. » Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je ne m'attends pas vraiment à autre chose. Et en fait, tu lis tout et n'importe quoi sur le net. C'est vraiment hallucinant là-dessus. Bon, moi c'est sûr que je suis super biaisé. Hein. Donc, on s'entend. Là. Donc là, j'ai repris le propos de la FSF aussi, qu'ils ont quand même FSF, Free Software Foundation Europe, pour clarifier qu'est-ce qui se passait. Bon, à eux, ils nient un petit peu. Là. Ils disent non, c'est pas encore acté qu'ils vont repasser sous Windows. Là. Bon. Le headquarter de Microsoft a déménagé à Munich. Ouais, c'est là. Ça va se faire. Mais t'sais, le gros problème du logiciel libre, là, c'est que t'as du lobbying dans le logiciel privatif. Là. T'sais, qui arrive, ouais, t'sais, reviens avec moi, là, t'sais, des lunchs. T'sais, tandis que la FSF, t'sais, quand il y a Free Software, ben, y a pas vraiment de lobbying, très peu. Là. T'as la Linux Foundation, mais t'sais, ça n'a pas le même niveau que les compagnies comme Microsoft. Donc, c'est sûr qu'on ne tombe pas sur la même game. C'est sûr que, bon, eux, ils avaient utilisé Linux, qui est leur distribution, c'est un Ubuntu 4K, là, mm-hmm. C'est sûr que ça ne coûte pas vraiment moins cher le logiciel libre. Hein. Moi, l'argument, ça coûte moins cher, peut-être à long terme, là, mais tu payes du monde, il y a quand même la maintenance, tout ça. Les gens que tu veux peut-être payer un peu plus cher, il faut que tu. Peut-être plus de duct tape là, pour que ça marche, là, pour que tu joues en cash. Je pense qu'à long terme, tu gagnes de l'indépendance si tu veux faire des modifications à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est mon gros argument, là, c'est pas vraiment le prix, là, parce que je suis cher. Donc, c'est plus compliqué à le vendre. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je sais pas si c'est la Free Software que j'ai lu. J'ai pas relu tout l'article. Là. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont passés à Linux, avant, chaque département avait leur petit service TI de proximité. Tu sais, comme la police de proximité là, qui tape dessus. Chacun avait son équipe TI de proximité. Et quand ils sont passés à Linux, ils ont centralisé le service TI pour offrir le service. Okay? Et là, donc déjà, ils l'ont centralisé, mais pire que ça, c'est qu'ils l'ont semi-centralisé parce que tu as 3 départements TI. Résultat, quand il y a un changement qui doit être fait, il faut que les 3 ils se mettent d'accord. Tu vois le truc, quoi. Donc, il n'y a rien qui bouge, c'est le gros bordel, il n'y a personne qui est content parce qu'il y a un problème, un gros problème d'évolution. Et dans le document de 300 pages en allemand, en fait, il n'y a jamais personne qui critique que le logiciel ne fait pas la job. Ils critiquent tous l'organisation des TI. Il y a quand même un bémol. Et dans le planning de passer à Windows, ils vont décentraliser le service informatique. Ah ouais, man. Bravo, man. Ça sera un succès, man. Bravo. Fait qu'on va encore l'avoir dans le cul. C'est ça. Mais bon. Donc, je voulais juste clarifier ce point-là pour la ville de Munich. Puis oui, je suis biaisé. Ah, je vous ai mis un petit peu d'art, parce que tu sais, l'art, c'est beau. Ouais, c'est beau. Tu sais, une petite strip là, sur la gestion du terminal, là, peu importe les années, le terminal, c'est beau. Hein, vous aurez l'occasion de le mettre, l'imprimer, puis le mettre dans votre bureau. Hein. Et ce que j'ai mis aussi, il en a mis une nouvelle. En fait, c'est pour ceux qui sont des artistes, là, hein, donc pas moi. Le gars, en fait, ici, il fait tous ses dessins, puis il y a pas mal de tutoriaux sur comment faire les dessins avec que du logiciel libre. Donc, le gars, il fait que ça. Tu sais, parce que parfois, on dit, ouais, Photoshop, c'est mieux et tout. Non, c'est pas nécessairement, là. C'est juste qu'il faut apprendre le nouveau. Fait que moi, je trouvais ça assez intéressant de visualiser ça. Bon, est-ce que je vais devenir un artiste? Non, là, je pense que c'est pas moi. Là, mais vous voyez l'idée.
Vous pourriez regarder. Là. Puis c'est en français, by the way. Mais ça, c'est un détail. Là. C'est un concours de circonstances. Là. J'aurais quand même mis ici. Sinon. Et pour finir. Allez, je fais quand même 30 minutes. Hein. Article super intéressant sur l'intelligence artificielle, puis le modèle fermé, qu'on voit inadéquat et tout ça. On fait comment, puis ça, je vous l'invite vraiment à lire. Tu sais, avec les. Comment si ta voiture est rendue intelligente puis inconduite pour toi tout seul, là, peux-tu vraiment faire confiance aux développeurs? Tu sais, je veux dire. C'est comme ton Peacekeeper, là, que la dernière fois, là, ils ont trouvé une faille de sécurité dedans. Tu sais, je veux dire, attends, à un moment donné. Hein? Pacemaker. Pacemaker, si tu veux, là. Un Peacekeeper, c'est la police. Ok, ouais, c'est ça. En tout cas, le truc cardiaque, vous avez compris. Mais en fait, c'est ça, il compare en fait l'aspect du modèle open source, l'état, la situation versus l'évolution en fait qui va se passer, le capitalisme éthique et l'intelligence artificielle. En tout cas, moi, je trouvais ça super intéressant, je vous inviterai à le lire. En référence au capital de Marx. Non. petit coup de gueule là, je l'ai mis un peu à la bourre ce matin là, mais Linux qui dit arrêtez de parler de l'innovation puis commencez à coder là. Ah, oui. Faut arrêter les conneries là. Vous en faites beaucoup là, mais l'important c'est le travail là. Attends, comment il dit ça là? Les discours de l'innovation sont des conneries de la bullshit. N'importe qui peut innover, penser différent. 90% de l'innovation provient du travail réalisé. Go ahead, réalise, là, puis arrête de faire des grandes conférences et tout. Ouais, commit. Là. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, c'est comme ça. Commit, c'est un peu. Puis ça, j'avais bien aimé, ça fait longtemps, en fait, là, tu voyais, octobre 2016, mais j'ai décidé de le remettre. C'est un peu poétique et tout. Sur l'utilisation c'est vraiment bien fait en fait. Tu sais, comment il dit dans un petit village, comment ils ont réussi à passer à. Tu sais, comment le gars a amené Linux, puis l'autonomie des gens versus l'utilisation de Darty, là. Best Buy. Son Wi-Fi là-bas, je pense. Non, lui, c'est vraiment juste l'utilisation, là. Ce que je trouvais cool, c'est que tu amènes l'aspect du logiciel libre, puis l'autonomie et. Avec un certain sens de raconter une histoire avec une certaine forme de poésie, puis j'ai trouvé ça joli. Ouais, vas-y, j'en ai. Non, mais c'est un lien sur le BS, on va regarder le BS ensemble. Ouais, c'est ça, quand tu vas aussi. Voilà, j'arrête la vidéo, on en discute, ou sinon c'est fini. Je trouve que c'est avec Bill Gates qui venait une taxe sur les robots. Ah, je t'ai pas vu celle-là. Parce que on s'entend tous qu'on va se faire.